Hola l'équipe, vous allez bien ou pas? Ça fait un bail qu'on s'est pas vu sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène une semaine avec moi en internat avec tous mes potes. Alors, c'est mes parents qui m'ont dit, mais Noé, putain, mais on sait pas à quoi ça ressemble, ça fait 1 an et demi t'es là-bas, on a jamais vu ta chambre ni rien. Bah, c'est normal parce que je filme pas souvent. Donc, je me suis dit, bah, c'est la fin de l'année, on a moins d'éval. Pourquoi pas prendre ma petite GoPro et faire un petit vlog d'une semaine. Bon, il y a juste le bac dans 2 semaines, mais. Tranquille, tranquille. Il y a plein de trucs au programme. Vous allez voir, on va bien rigoler. Je vous anticipe pas plus parce que j'aime pas du tout faire des intros. Je déteste ça. Je sais pas si ça se voit, mais j'espère qu'elles sont bien. N'oubliez pas, petit abonnement, petit like. Allez, bisous. Je vais vider ma valise avec vous. Petit tuto pour bien ranger tout. Les chemises, c'est toujours plié. Oh, ensuite, les valises en dessous. Oui. Et le... Mise en contexte en deux spi, là, j'étais dans la chambre de deux potes stéphanois à fond dans la S Saint-Etienne. Et ce soir-là, la S Saint-Etienne jouait pour ne pas descendre en Ligue 2. Et malheureusement, comme vous allez le voir... C'est historique. Les soirées dimanche soir, c'est nous instantané. Mais juste après, on va devoir tout ranger. Aujourd'hui est un grand jour car aujourd'hui c'est l'élection des BDL, bureau des lycéens pour ceux qui ne savent pas. Alors en gros dans mon lycée on organise ça, c'est cool. Et cette année il y avait 2 BDL, donc le mien, Dream Term, et Terminus, c'est un BDL. Et franchement les 2 campagnes étaient bien, ça se valait. Les résultats et les votes c'est aujourd'hui. Franchement je sais pas du tout à quoi m'attendre, on a autant de chances de gagner que de perdre. Mais j'espère qu'on va gagner quand même. Oh là là, dites-vous, j'ai commencé à 8h. Il est 21h55. Oh, je travaille trop et je suis même pas payé pour ça. En plus, j'apprends quoi? Je peux pas mettre de musique parce que ce gros dog, il a son oral demain, oral de bac blanc. Du coup, monsieur travaille dans sa chambre et veut pas être dérangé. C'est quelle joie d'être passé la semaine dernière. Ah, ils sont tous en train de stresser. Il y a des mecs qui sont même pas dans notre chambre, ils viennent travailler. C'est n'importe quoi, il y a lui, il y a son oral de main, il ne connaît aucun texte. T'en connais combien? Non, moi j'en connais 4, 5. 4 sur combien? Sur 12. Miam, miam, miam. Quand on pense au bac, après tout, c'est quoi le bac? Tu penses réussir ou pas? Bah ouais, comme toujours. Hein. Tu connais combien de textes? Je sais pas, 7, 6. Ok, 18,5 sur 1, mon oral. Moi, je connais 12 textes. Non, 13, mais le 13e pas bien. Donc j'espère que j'ai au moins 16. J'ai eu un des textes que je voulais pas. Mais vu que je suis un gâcheux, j'ai réussi. Donc croyez en vous, soyez forts. Ok, alors mon oral, c'est pas trop mal passé, vu ce que j'avais révisé. Et en vrai, j'ai bien géré
l'introduction et la conclusion. Plus peur que de mal. Et le développement, c'est un échec. Ah, bon. 14 à l'oral, du coup. C'est pas 18,5, mais bon, c'est pas mal. Aujourd'hui, on va voir notre petit Arthur Bouvier jouer au théâtre. Quel cadre resplendissant! Mesdames et messieurs, merci d'être venus voir la restitution de l'option théâtre de première. Les élèves de première ont choisi un thème qui n'est pas facile, c'est le 11 septembre, il n'était pas né. Ces attentats terribles qui viennent de frapper les États-Unis d'Amérique. Dans cette tragédie, le peuple français, je tiens à dire ici tout entier, nous devons tirer quelques conséquences de cette situation, même si elle touche de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai donc demandé au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Défense, au ministre des Affaires étrangères et au ministre des Transports de me rejoindre à Matignon. Ils viennent d'arriver dans mon bureau et nous allons examiner de façon calme et rigoureuse ce que nous avons à faire. Dans la foi et mon espérance. Mais inintelligent, vous pensez peut-être que c'est facile de piloter un Boeing 767 ? Facile peut-être pour moi de trouver des leçons de pilotage des États-Unis ? Bravo ! Bon, 2-3 explications. J'avais dit une semaine à la base, mais vu que comme je suis trop nul et que je filme jamais rien, bah vous avez loupé plein de trucs, et du coup, bah là on se fait juste chier dans la vidéo. Du coup, petite idée, il reste 3 jours de cours, bah je vous prends 3 jours de plus avec moi. On est 3 jours plus tard, vu que j'ai aucune discipline, j'ai rien filmé. C'était le dernier jour avec mes potos, donc je voulais profiter sur le moment et pas filmer. Pour vous dire, c'est... on vide tout. Ah, ma valise elle va peser 3 tonnes. Il y a tout, tout là. Ça c'est pas à moi. Waouh, waouh, waouh. Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé en entier. Petit like, petit commentaire, petit partage, ça fait plaisir. Petite vidéo chill aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, je fais mon bac et je vous envoie du très 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 lourd pendant les grandes vacances, vous n'êtes pas prêts. Je vais essayer d'être actif, hein. Hein, on espère. Et voilà, sur ce, posez-vous bien et réussissez votre bac de français. Ciao.